Salut à tous les gars, c'est Wilky. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, grosse vidéo, l'une des premières vidéos de FIFA 22 que vous voyez sur ma chaîne YouTube. Et c'est que le début. Là, je vous jure, c'est que le début. Il y aura les lives Twitch qui vont te reprendre des coops avec Misco, avec le poteau sûr. Il y aura de tout qui va reprendre. Et GTRP, ça se fera toujours, ça se fera toujours. Mais sauf voilà, tu connais un petit peu, les soirs, ça sera FIFA et je pense la journée, ça sera GTRP. On verra par rapport au moment quand je serai dispo, qu'est-ce qu'il y aura à faire. Voilà l'équipe. Petite parenthèse, cette vidéo, je l'ai fait, j'ai demandé des conseils avec le poteau sûr Misco. Donc grosse force à lui parce que on va tout donner sur FIFA 22, on va essayer de tout péter. C'est lui, il m'appelle, il me dit ouais, j'ai pris la version, t'as pris la version? J'ai pas pris ça, je vais vous en parler maintenant. Petite parenthèse, mon lien Instant Gaming est dans la description. Vous pouvez vous faire 12 euros, je pense, de remise sur la version à 100 euros. Donc, moi, pour moi, désolé pour tous, la meilleure version de FIFA 22 est celle à 100 euros. L'édition ultime. Pourquoi? De 1, il y a 4100 points FIFA. Déjà, ça, c'est 40, plus de 40 balles, ça, je crois, de points FIFA. Donc, dans la version à 100 euros, ça va. Si moi qui veux mettre de l'argent dedans au début, j'aurai pas besoin parce que j'aurai cette version. Et en plus, vous aurez un OTW offert et un Team of the Week, je crois, offert, je crois aussi. Il y a plein de trucs offerts. Donc, c'est pas mal sur cette version ultime. Même s'il y a des petites galères, tout ça. Quand je vous ai dit en dessous de la description, vous avez ça sur Instant Gaming. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? 4 jours avant. Donc, 4 jours avant, je sais plus, c'est le jour précis de sa sortie de ce FIFA. Mais vous aurez 4 jours d'accès anticipé. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Voilà, je crois qu'on appelle ça comme ça. 4 jours en plus. Et si vous voyez sur FIFA 21, vous avez 10% de réduction. Vous pouvez vous faire une vraie réduction. Et si vous avez le EA Access, c'est 3 euros l'abonnement, je crois. Mais après, une fois que vous désactivez, vous continuez. C'est comme vous voulez. Vous aurez des réductions sur les points FIFA tout au durant de l'année. Si vous avez le EA Access. Donc vous voyez, il faut voir les bons prix. Donc moi, ce que je vais faire, je crois, ça dépend si le EA Access, ça rajoute. Genre 4 jours et imaginons 3 jours en plus avant, genre une semaine avant tu peux jouer, je sais pas du tout, je sais pas du tout. Petite parenthèse, la version FUT Compagnon sort le 23 septembre, donc c'est bientôt, la vérité c'est bientôt. Il y a pas mal de petits trucs. Donc là, la première partie c'était ça, le lancement, comment l'acheter, tout ça. Donc vous voyez un petit peu les promos, vous faites des petits tours et n'hésitez pas à utiliser mon lien Instant Gaming. Juste mon lien, vous appuyez sur mon lien et vous commandez grâce à mon lien. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de code à mettre, tout ça. Donc voilà l'équipe. Ça, ensuite, une fois qu'on a FIFA, une fois voilà qu'on a FIFA, tout ça, vous avez déjà 4600 points FIFA. Si vous ne l'apprenez pas, vous n'avez pas 4600 points FIFA. Mais avec les 4600, je vous dis, soit faites des petits packs, ouais, faites des petits packs, faites des petits packs, faites des packs à 750, 7500 crédits. 150 points FIFA, je ne sais pas pourquoi 750. Vous faites ça, vous achetez. Ce que vous devrez faire pour bien démarrer FIFA, c'est déjà ouvrir ces petits packs, vos petits packs du début, faire les petits SBC du début, comme ça, tout tranquille. Vous faites un peu de crédit. D'ici, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez minimum entre 5 et 10 000 crédits, voire sauf si vous avez un gros joueur et vous avez 100 000 crédits. Donc, minimum 6-7 000 crédits, je crois que c'était ça. Chaque année, vous faites les SBC où vous pourrez avoir un pack à 50K. Ce que Misco m'a dit, voilà, c'est une vidéo que j'ai fait préparer avec lui, tout ça, il m'a tout aidé par rapport à ça. Je le remercie fort. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà un pack à 50 000, les gars. Vous avez déjà un pack à 50 000 et vous pourrez déjà avoir du lourd. Et si, petite parenthèse, vous avez pris la version ultime, vous avez un OTW. Et les OTW, c'est pas comme les autres années là où on s'est tous fait douiller. Ouais, il y a Ndombele, je sais plus c'était qui. Il y avait plein de joueurs. Vas-y, vas-y, il faut les faire, il faut les faire. Et dernière, je crois que c'était un Chinois, je crois. Ouais, je crois que c'était un Japonais ou un Chinois, je sais plus. On disait tous il va évoluer, il est resté à 78 toute l'année. Hein. Toute l'année, là, mon dernier pack opening, je l'ai mis dedans. Donc, là, il y aura du lourd. Du CR7, Hakimi, Messi, Ramos, il y aura plein, plein de gros, gros joueurs. Lukaku, tout ça. Et avec ce joueur, moi, je pourrais vous dire, faites vos tops autour de ce joueur. Imaginons, vous avez. Ramos en défenseur central. Vous gardez Ramos en défenseur central. Autour, vous faites une petite équipe avec les joueurs or, non rares ou rares. Ça dépend ce que vous avez eu dans les packs. Mais après, ce qui est bien, c'est de faire l'achat-revente, la Tech 650. La vidéo, elle est sur ma chaîne, je crois. Il y a une vidéo sur ma chaîne. Vous mettez Tech 650 ou je vous mettrai en description. Je la mettrai en description, les gars.
Je vais pas faire le flemmard. Je vais vous la mettre en description. Vous pourrez faire cette tech, même si sur d'autres FIFA, vous pourrez quand même la faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Une fois ça, c'est faire vos matchs de préparation. Mais attendez, attendez. Je pense 2-3 jours. Essayez de vous faire quand même une bonne équipe, quand même un minimum. Ensuite, je pense que ça sera le même que sur FIFA 21. Et les 5 matchs de préparation pour du Divrey Balls, ça avait mis Gucci. Oh, j'ai pas vu, il y a la télé allumée. Pardon. Ça nous avait mis Gucci, niveau crédit, tout ça. Je crois que j'avais fait 4 victoires, 1 nul. Ça met bien. Ça met bien. Et après, suite à tout ça, vous faites de l'achat-revente. Full achat-revente au début, c'est bien. N'achetez pas de gros joueurs. C'est ça que je veux vous dire. N'achetez pas de gros joueurs dès le début. Parce que là, vous allez voir. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous allez voir un joueur à 82, 83 de général. Il aura facile entre 10 et 20 000 crédits. Vous goûterez à peu près ce prix. Et dans un mois, il va coûter un prix. Ça va chuter de fou. Donc là, le début, faites des packs opening, revendez les gros joueurs, faites masse crédit comme ça. Après, plus tard, une fois que les prix vont rechuter, c'est là où votre équipe va augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Et au début, c'est mieux de le faire aussitôt, les matchs de préparation. Comme ça, vous faites des petits crédits, vous vous mettez tout de côté. Et vous vous focalisez sur des SBC, sur de l'achat-revente. Et là, sur la pub qui sort le 23 septembre, moi, je vous dis, ouvrez vos petits packs de préparation, tout ça. Ouvrez ces petits packs, faites les petits SBC, tout ça. Je vais peut-être pas faire en live, je pense pas, ce sera trop une galère pour rien, vu qu'au final c'est la même pour tout le monde. Mais on se retrouvera en live dès que le jeu sortira pour ouvrir les 4600 points FIFA et la version pour avoir un OTW. Enfin, CR7 ou Messi, hein. Je n'ai jamais packé CR7 ou Messi sur un FIFA. Jamais, jamais. La vérité, jamais. Peut-être que là. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Le petit like, abonnez-vous. On se prépare pour FIFA. Ça va être lourd. Moi, je vous dis, ça va être lourd. Les gars, ça va être lourd. Je suis pressé. Là, en plus, je regarde le match. Lyon, voilà, je pense que tu dois un peu connaître que voilà, je suis lyonnais. Et voilà, l'équipe, on est en bleu sang. Le petit like, abonnez-vous. Petite parenthèse, 1800. Je vous sors un petit son. Un petit son. Un petit son fun. Fun. Un petit son fun. Et au demi, je vous fais un petit live 12h aux 24h. Voyons comment ça se passe, comment c'est. Et ça sera soit sur YouTube, soit sur Twitch. On verra. Tous l'équipe. On se retrouve sur FIFA dans quelques jours. Tchuss.